Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour 23 du calendrier de l'Avent. C'est l'avant-dernier jour, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça sera du gardien ascendant. Ok, je me demande avec quoi on va finir demain pour le dernier jour. Et d'ailleurs, le 25, je vous prépare une petite surprise. Donc, je vous laisse mettre vos pronostics en commentaire. Qu'est-ce que ça sera? Le suspense, va falloir attendre encore 2 jours. Hop là. Et hop. Alors, on va commencer par le petit code juste là. Et ok, ça colle un petit peu. Je sais pas si ça veut dire qu'on a quelque chose, mais j'ai eu un peu de mal à faire mon tri. On verra. Allez, passe rouge. Racaillou d'Alola, Barloche, ensuite Mélofée, très sympa l'illustration, d'ailleurs je vais zoomer, ça sera mieux. Rocabo, une énergie ténèbre, ensuite Flagados, très sympa l'illustration aussi pour celle-ci, Matchhopper, Mélancolux, en reverse déjà la rive, oh Plumeline, je l'avais pas celle-ci il me semble. Elle me dit rien, elle est sympa, elle est jolie. Et derrière, je vois que ça brille pas mal. Ça sera une GX. Ouais, Métallos GX. Je sais pas du tout si je l'avais. Je ne pense pas, je crois que je l'avais pas. Mais du coup, ça fait bien plaisir. C'est pas la plus belle, mais ça fait quand même plaisir. C'est toujours mieux qu'une simple rare. Ou une holo. Voilà, je la slipe directement. Du coup, elle ne brille plus. Vu que la messe slip, c'est des maths. J'ai plus d'ultra pro. Voilà. Hop, ça sera la petite star de l'ouverture, comme d'habitude. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve dès demain pour le dernier jour du calendrier. Ça y est, c'est la fin. Vivement l'année prochaine. J'ai limite envie de faire un calendrier annuel en attendant Noël de 365 jours du coup d'ouverture de booster, un booster par jour. Mais bon, voilà, j'espère en tout cas que vous serez là pour demain, du coup pour le dernier jour. Et comme je vous disais, le 25, il y aura une petite surprise, donc soyez à l'affût. Voilà, à demain.